Le baptême va être vécu par baptisé selon des états de vie assez divers, vie conjugale, vie familiale, vie politique. Et bien parmi ces états de vie, il y a la vie religieuse, l'état religieux, qui associe le spécifique que la vie religieuse se mène selon le baptême, bien sûr, la vie de tous les chrétiens, bien sûr, mais selon, plus précisément, les vœux de religion, les conseils évangéliques, qui accentuent, si je puis dire, la Pâque du Christ en nous, qui donne à notre vie chrétienne un je ne sais quoi de plus pascal, une saveur évangélique plus forte. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, qu'il repose dans la paix. Vœux de pauvreté, vœux de chasteté, vœux d'obéissance. La pauvreté, Pâque des avoirs, des possessions. La chasteté, Pâque des affects, de la vie affective. L'obéissance, Pâque de la volonté libre, de la liberté. Par le vœu de religion, on s'engage librement et publiquement à vivre son baptême dans ce régime stable, garanti par l'Église, qu'est la vie religieuse. C'est très important pour le dominicain. Il doit annoncer la bonne nouvelle, frère prêcheur, prédicateur. Les périodes de l'histoire de l'Église qui ont été les plus sombres sont celles justement où pauvreté, chasteté, obéissance ont été mal vécues.